à tous, bienvenue au sommaire. Marie-Françoise Lubette, sportive de haut niveau, sélectionnée pour les Jeux Olympiques de 1984, chirurgien obstétricienne et également auteur du livre « Sprinteuse de Dieu ». Consolée, on a tous besoin de l'être à un moment ou à un autre, ce sera notre rubrique texto. Retour sur le Mexique avec Hélène, mais cette fois dans l'état du Chiapas, une région mexicaine où la liberté de penser est menacée. Les mains, les artistes leur accordent une grande importance, Francis Méant nous en parle. Enfin, nous recevons deux étudiants, Lydie Lutz et Benoît Maigret, ils font partie des GBU, Groupe Biblique Universitaire, une association ouverte à tous et présente sur la plupart des sites universitaires de France. Alors l'université, les études, ça nous fait prendre un petit coup de vieux, hein Paul? Ah, ça me rappelle surtout le nord de la France. Et d'ailleurs, on va y retourner dans le nord grâce à Marie-Françoise Lubette. C'est vrai que vous êtes originaire des Antilles, mais vous aimez beaucoup le nord de la France, vous êtes une ch'ti. Et vous êtes donc chirurgien des hôpitaux, spécialisé en gynécologie et en obstétrie depuis 15 ans maintenant. 20 ans même. On va dire donc que ça vous fait aussi rajeunir. Mais on n'oublie pas aussi votre passé de sportive de niveau, de sprinteuse, puisque vous étiez aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 84. Alors peut-être simplement avant de vous laisser la parole, qu'on comprenne un petit peu plus en détail votre parcours atypique, passionnant, je vous propose qu'on regarde simplement un petit reportage. Et il vit des miracles. À deux reprises, il a rencontré des groupes d'hommes armés qui cherchaient à l'abattre. Mais il est passé au milieu d'eux sans que ces hommes ne le voient. Eh bien, comme quoi, les miracles existent encore, bonne nouvelle. Francis Méant, bonjour, vous nous avez rejoints. Alors, nos oreilles sont toutes oui, mais ce ne sont pas les oreilles qui sont à l'honneur, mais plutôt les mains. Et oui, les mains, parce que l'art se fait avec les mains. Mais la main n'est pas la servante docile de l'esprit. La main chemine à travers toutes sortes d'aventures, elle tente sa chance, elle cherche, elle voyage partout, c'est merveilleux les mains. Et puis il y a les mains, probablement les plus connues de toutes, c'est les mains en prière de Dürer. Regardez ces doigts noueux qui s'élèvent et qui se rejoignent comme une voûte gothique. N'est-ce pas un élan pour s'affranchir des valeurs temporelles? Aller à l'essentiel, à la rencontre du Créateur de toutes choses. En tout cas, vous parlez bien avec vos mains. Merci Francis. Alors, connaissez-vous le GBU? Ça signifie Groupe Biblique Universitaire. Et deux étudiants sont là pour nous en parler. Lydie Lutz, vous étudiez le corps au conservatoire et étiez responsable d'un groupe GBU à Strasbourg pendant 3 ans. Et Benoît Maigret, vous êtes en deuxième année d'IUT en réseau et communication, responsable du groupe GBU de Montbéliard. Alors, lequel de vous s'y colle? En quelques phrases, expliquez un peu le GBU, ce que c'est. Le GBU, c'est quoi? C'est des étudiants qui se retrouvent autour de la Bible pour discuter de passages, de sujets divers de la Bible, et à la fin, qui se retrouvent autour d'une collation, c'est très important. Donc pour manger aussi, à tous les pizza, niveaux. Pizza, j'imagine. Ouais, divers boissons, jusqu'à ce qu'on se fasse expulser de la fac. Ça c'est pas interdit quand même. Et alors, c'est issu d'un mouvement chrétien en particulier?